Coucou. Bonjour, bonjour. On dit quoi? Comment vous allez? J'ai fait cette vidéo pour répondre à une question qui me revient souvent. Et la baronne, tu es tout le temps heureux, tu es tout le temps en joie, tu es tout le temps en train de distiller la joie autour de toi. Comment tu fais et tout? C'est très simple. C'est très, très simple. Vous savez ce qui me pousse à faire tout ça? C'est la mort. Oui, la mort. Parce que moi, je vis ma vie. C'est-à-dire, tous les jours, quand je me réveille, je vis comme si c'était le dernier jour que je passais sur la terre. Parce que la vie, là, c'est de là à là. Je vais prendre deux exemples simples. Est-ce que ça vous est arrivé de causer un jour avec une parente, une soeur, un frère? Moi, je prends mon exemple. J'ai passé la nuit avec ma soeur, on a causé et tout, on s'est séparés, chacune allait dormir. Le lendemain, je suis allé travailler, on m'appelle pour dire qu'elle a fait un malaise. Je dis ok, envoyez-la à Port-Boué, à l'urgence. Je prends un taxi, le temps d'arriver à l'urgence, bon, enfin, moi je suis arrivé avant ceux qui l'ont envoyé à l'hôpital. C'est le corps de ma petite soeur que j'ai reçu. Ma petite soeur est morte dans le taxi avant d'arriver. Est-ce que ça vous est arrivé un jour de causer avec une copine? Vous avez congoussaillé, comme on le dit. Vous avez braisé les gens. Vous avez passé votre temps à sourire, à parler de votre avenir, à parler de tout et de rien. Vous êtes séparés en vous donnant rendez-vous le lendemain pour mieux critiquer encore, mieux papoter, de parler de tout et de rien. Le matin, on vous appelle pour dire qu'elle ne s'est plus jamais réveillée. Quand tu traverses tout ça, là, c'est quoi que tu as venu faire encore? Te gonfler? Chercher des histoires partout? Ou bien, je ne sais pas. Ah non! Souris à l'hypocrite. Souris aux aigris. Souris même à ceux même qui sait qu'ils ne t'aiment pas, qui te font du mal, là, il faut les sourire. La vie là, c'est de là à là. Tu te lèves le matin, mais qu'est-ce qui prouve que le lendemain là va te trouver? C'est ça. Donc, d'autant plus sourire, s'amuser, rigoler. Parce que là, c'est de là à là. Je le répète, de là à là. Moi en tout cas, je ne dis pas que je ne me fâche pas, je suis un être humain. C'est pas toujours on est content, souvent on se réveille, tu as des coups de blues, tu as tout. Mais là, mon côté, comme on le dit fâchement, là, c'est vraiment. Peut-être c'est 30%, quoi. 70%, là, c'est la joie, c'est la gaieté. Comme je le dis, là, je bois beaucoup, mais je ne mords pas. Voilà. Wow, 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 mais je ne mords pas. Voilà. Il faut vivre ta vie comme si c'était le dernier jour que tu vivais sur la terre. C'est tout. C'est le secret qui est là. Faut pas attendre à ce que tu aies un compte bourré. Mon compte n'est pas bourré. Mais j'ai la peur du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai la peur du cœur. Je fais un travail que j'aime. Ça, c'est l'essentiel. J'arrive à subvenir à mes petits besoins. C'est l'essentiel. Le reste, là, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas la force qui donne l'argent. Si la force donnait l'argent, là, les Bella, là, ils n'allaient pas souffrir. Hein, parce qu'ils ont la force, ils soulèvent les choses. Ils allaient être trop riches. Ce n'est pas la force. La bénédiction, là, c'est un petit marché comme ça. Un petit marché. Et puis, boum, tu oublies toutes tes souffrances. Voilà. Faut pas envier quelqu'un. Faut pas être hypocrite. C'est-à-dire le bonheur de tes frères, de tes soeurs, de ta camarade, de ta copine. Faut être heureuse pour elles. Faut être heureuse pour eux. Quand c'est comme ça, Dieu te bénit. Faut avoir, mettre problème de quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois les gens, tu es aigri. Tu vas pas vivre longtemps, tu seras toujours malheureuse. Sois heureux pour ton frère qui est heureux. Sois heureuse pour ta soeur qui est heureuse. Quand Dieu bénit les gens, là, faut être content pour eux. Quand c'est comme ça, Dieu aussi va te bénir. Mais tu passes là à passer mal des gens. Comment on appelle ça? À toujours réfléchir comment faire du mal aux autres. Dieu va te bénir, ma chérie. Moi, en tout cas, ma joie, là, c'est ça. C'est ça. Je ris, je m'amuse, je fais tout. Mais je fais bien mon travail. Je fais très bien mon travail. Je suis passionné dans ce que je fais. Tout ça m'aide à être toujours heureuse. Parce que quand je travaille, là, c'est comme si je m'amusais. Voilà. Donc soyez heureux, soyez heureuse. Parce que la vie, c'est un bout de fil comme ça. Pas, tu es parti.
Je vous exhorte à partager, à distiller l'amour autour de vous. La vie est belle, quels que soient tes problèmes. Même si tu n'as rien dans les poches, sois heureux. Parce que moi-même, souvent, il n'y a même pas 100 francs. Mais si tu me vois, mon malin. Alors que si je vais baigner de quelqu'un, là, je n'ai pas l'argent pour payer. Mais tout ça, là, c'est la vie. Tout ça, là, c'est la vie. La bénédiction, ça vient comme ça. Ça dit un quart de tour. Dieu t'est béni. Donc, là, sois toujours positif dans ta vie. Ré, merci beaucoup, mon coach. Merci de toujours me booster. Merci de toujours me... De toujours dire, Kankou, c'est pas bon, c'est comme ça. Et puis merci de me dire la vérité. Parce que c'est ça aussi le bonheur. Il faut te faire entourer de personnes qui peuvent te dire, hey, ce que tu fais là, c'est pas bon. Faut pas te faire entourer seulement des gens qui ont peur de toi. Pourquoi? Qui peuvent même pas te dire la vérité. Pourquoi? Toi, tu es qui? Moi, j'ai cette chance là de me faire entourer de personnes qui peuvent me dire la vérité. Des personnes qui me boostent, des personnes qui me disent, non, Kankou, ce que tu fais là, c'est pas bon. Fais comme ça, fais comme si. Voilà. Parce que là, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Hein. Et puis dans la vie, ce n'est pas les gros diplômes et tout qui font que tu connais la vie. Mais le code de la vie, même nous, c'est. Moi, je n'ai pas gros diplôme. Mais les gens qui sont autour de moi, là, ont gros diplôme. Donc là, leur expérience, ça me sert à avancer. Tout ce que je peux vous dire, là, c'est votre cœur, là, dégagez tout ce qui est haine, là, dégagez ça de votre cœur. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas te créer les AVC, les maladies bêtes, là, pour te rendre malheureuse. Sois toujours heureuse. Sois heureuse pour tes enfants. Parce que tu n'es pas là. Qui va s'occuper d'eux? Sois heureuse pour tes parents. Oui. La vie est belle. Malgré tout, la vie est belle. Toi, tu te plains là. Il fallait faire un tour à l'hôpital. Fais un tour dans les hôpitaux. Tu verras que toi, tu as une grâce. Toi, tu te réveilles le matin, tu respires, tu sautes partout. Et puis, tu te morfonds. Pourquoi? Ah non. Moi, en tout cas... J'ai rien, oh, je bénis le nom de Dieu. J'ai quelque chose, je bénis le nom de Dieu. Parce que la vie est belle. Et la vie mérite d'être vécue. À bon entendeur, écoutez-moi. C'est tout pour aujourd'hui.